Informer, c'est notre devoir, former, c'est notre désir. Mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire des Kounouma News ce jour, numérique au Cameroun, Yaoundé, la capitale des TIC pour l'Afrique. Applications du jour et offres d'emploi sont à retrouver également dans ce journal. Voilà pour les titres. Numérique au Cameroun, Yaoundé, capitale des TIC pour l'Afrique. La conférence internationale historique sur la digitalisation va se tenir à Yaoundé dans moins de 24 heures. À l'hôtel Montfébé, cette conférence qui ouvrira ses portes demain 17 juillet se refermera ce 20 juin. Elle est organisée par l'Université des TIC et devrait rassembler des personnalités mondiales du monde et des affaires, des leaders de l'industrie, des passionnés des technologies, des décideurs politiques, des innovateurs et des gourous d'éthique d'Afrique et d'ailleurs. À noter que le thème choisi de cette conférence est transformation numérique, tendance actuelle, perspective future. Une initiative du professeur Victor Mbarika, président et fondateur de l'Université d'éthique. Véhicule de transport avec chauffeur n'est plus qu'une affaire de Yango ou de Hongo. The Go Company également se lance dans ce secteur de transport urbain au Cameroun. La start-up camerounaise souhaite officiellement lancer ses activités à Douala, la capitale économique camerounaise, le 17 juillet prochain. Selon les responsables de cette start-up, The Go Company dispose déjà d'agréments nécessaires pour exercer dans ce domaine. Créé depuis plus de 2 ans, c'est en 2023 que The Go Company a décroché sa licence d'exploitation. En détail, la petite et moyenne entreprise a mis sur pied une plateforme digitale appelée The Go afin de lancer ses activités au Cameroun. Place à l'application du jour dans ce journal. Doubinette est notre priorité. C'est une application qui s'est définie comme étant le futur réseau professionnel. Elle aide les jeunes à quitter le chômage à travers des informations sur les offres d'emploi, sur l'étendue du territoire national dans tous les secteurs d'activité. Chercheurs d'emploi, trouvez les postes vacants dans votre région. Entreprises et particuliers, trouvez les meilleurs talents dont vous avez besoin dans votre équipe en utilisant Doubinette en application mobile et même sa plateforme collaborative pour la gestion de vos projets et la collaboration avec vos clients. Doubinette, dans son application à l'interface utilisateur, met à votre disposition le lien de son groupe WhatsApp relativement aux actualités liés aux offres d'emploi. À présent, parlons offres d'emploi. Dans ce journal, l'institution Microfinance Unique lance un recrutement d'un community manager dans la ville de Yaoundé. Niveau requis, Bac plus 2, secteur finance, banque, assurance, date limite des dépôts de dossiers fixée au 23 juillet prochain. À Douala, Cagesco recherche un cadre compteur pour le besoin de ses services. Niveau requis, Bac plus 5 en comptabilité, contrôle, audit, fiscalité, date limite des dépôts de dossier fixé au 18 juillet prochain. La Croix-Rouge France appelle à candidature dans la ville de Kousséri. Un data manager Bac plus 3 IT a postulé avant le 20 juillet prochain. Clôturons les appels d'offres d'emploi avec Kames qui recherche à Douala une assistante des directions niveau requis Bac G1 licence secteur transport logistique. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en replay sur l'application Ekounouma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.